Wow. Ah bah oui, là. Je suis con. Bien sûr. Là. Ah bah y'en a qui sont déjà à poil, ça va me faciliter le boulot. Morse, qu'est-ce que tu fais là? Dehors les filles, j'ai deux mots à dire à ces abrutis. Inutile de me mentir, je sais d'où vous tenez l'argent avec lequel vous avez payé cette petite fête. Comment tu sais ça? Je viens de tuer ce fumier Jared, et maintenant c'est celui qui se faisait appeler Godric que je veux. Alors... Je vous conseille de me dire ce que vous savez sur lui. Et si on te dit ce qu'on sait? Entends-moi bien, tu t'es déjà rendu coupable de trahison en acceptant l'offre de Jared. Ne t'attends pas à être exempté du châtiment que tu mérites, mais tu pourras peut-être éviter la mort. Maintenant, parle. Je n'aurai pas la patience de le demander gentiment une seconde fois. Où est Godric? Son vrai nom n'est pas Godric. Il s'appelle Yon. Yon. Continue. Lui et ses hommes ont établi un nouveau campement, quelque part dans la forêt. Et pour rejoindre la Maule, ils passent par les tunnels des contrebandiers. Ok. Si vous voulez les emprunter, il y a une porte en bas. Il vous faudra le mot de passe. Dites, le temps de la ripaille a sonné. Et ils vous laisseront passer. Ok, c'était ça. Alors même les contrebandiers sont du côté de l'imposteur. Au fond, il y a un homme et vous connaîtrez le prix de son honneur. Qu'est-ce que tu comptes faire, Morse? On t'a donné ce que tu voulais. Et on n'aurait jamais tenté quoi que ce soit contre toi. Si vous rentrez au mur maintenant, je demanderai au Lord Commandant d'être clément. Merci, Morse. Ils sont contentés d'en récupérer du pognon pour se payer les prostituées. Vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. C'est des traîtres et des lâches. Mais au moins... ils ont pas cherché à faire un massacre. Aucun honneur. Alors, voyons voir cette armure. Les gantelets sont plus intéressants. L'armure est grosso modo égal avec sans les bonus supplémentaires. Ok. Ah. Te voilà, Morse. Le Lord Commandant nous envoie de prêter main forte. Cool. On est venu au plus vite. Content de vous voir, les gars. Morse! Ils ont pillé ma chambre. Il faut absolument que nous les retrouvions. Très bien. Vous avez entendu? Nous allons débarrasser le don de Yon et de ces salopards qui l'accompagnent. Yon? C'est le vrai nom de celui qui se faisait passer pour Godric Donnerly. Et quand je l'aurai trouvé, je lui ferai cracher le nom de celui qui l'a envoyé ici. Moi, bon, je le sais. Nous passerons par les souterrains. Si je me souviens bien, il y a une trappe qui y mène, derrière les cuisines. Oui, bon, ça on sait. On y est passé trois fois. Tous ceux que nous croiserons seront des ennemis potentiels. Que chacun ouvre l'œil. La sécurité de la gamine doit rester notre priorité. Au moindre ennemi en vue, Watt et Miles, vous vous assurez que personne ne s'approche de Jane. Patrick et moi, on se charge de faire le ménage. Si vous nous voyez venir vers vous, ça veut dire qu'on aura besoin d'aide. Dans ce cas, je compte sur vous pour nous prêter main forte. Ok. Compris. Ce pisse-froid de Godric a choisi de se confronter à la garde de nuit. Il va rapidement comprendre l'étendue de son erreur. Bon, on est en bas. Il faut que je remonte. Les cuisines sont de l'autre côté. Par là. Évidemment, ça va être le bordel. Je sens qu'il va y avoir 15 ennemis au mètre carré. Une cuvée de la treille dans nos caves? Le temps de la ripaille a sonné. C'est bon, je vous ouvre. Brah! Porte dans la gueule! Ravitaillement, ravitaillement. Fouillons. Rien de plus. Pardon, poussez-vous, vous êtes beaucoup, ça encombre. Alors là, on va peut-être pouvoir faire un peu d'infiltration. Regardez-moi ça.
Saloperie de... Qu'est-ce que c'est que ça? Fous le camp d'ici ou tu vas... Allez, allez, bouffe-le. Voilà. On va faire le ménage avec le chien. Ils sont quand même nombreux. Donc je vais garder halte enfoncé, ça a l'air de me faire moins repérer. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, voilà. Bouffe le casque en métal. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? On va tous les bouffer avec le chien, ça va tellement être plus simple. Ah, je sais pas vous, mais j'adore les assassiner avec le chien. Ah, ce coin-là est sûr, s'il te plaît, Morse. Ce coin-là uniquement. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il remarque même pas que son pote est en train de se faire bouffer. Normal, quoi. Toi, t'as failli me choper, mon gros. Je vais attendre que tu repasses. Allez, 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 allez. On va pas me dire qu'il est maltraité et mal nourri, ce chien. Hein. Un de le chien le mieux nourri que je connaisse. Pas que j'en connais beaucoup, mais... Bon. Ah. Ah. Ça va être problématique, là. Alors lui je peux pas l'avoir et les deux autres non plus. Il n'y a pas d'autre passage. Ben donc on va enchaîner avec Morse hein. Petit changement de vidéo qui fait chier comme d'habitude. Et j'ai récupéré un Brakmar. C'est un petit truc de merde. C'est de l'épée à deux mains que je veux. Un truc d'homme. Alors, ici, je pourrais peut-être en choper qu'un seul au combat. Ce qui me facilitera nettement le boulot. Ah non. Merde. Pourquoi il a un crâne, lui? Caméra de merde. Allez. Pas assez d'énergie? Elle est pleine mon énergie, c'est quoi ce bordel? Quoi cette histoire? Bon tant pis. Allez, voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Un bouclier. Et toi? Des choses sans maille. C'est de l'intermédiaire, ça m'intéresse pas. Allez, on va continuer avec le chien. On peut pas continuer avec le chien. Bon, ça c'est fait. On peut pas continuer avec le chien dans ce coin-là. Mais on peut ici. Eh, hey, dégage de la saleté! À te faire bourrer! Le contrebandier! Alors.
toi, tu peux pas te faire avoir par ici. Lui, il peut se faire avoir par contre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ah, je me suis fait baiser comme une merde là. Dégage de la saleté. Eh ouais, il couvre son pote, c'est bien ce qui me semblait. Donc il faut que j'essaie de l'avoir lui en premier. Sans me faire repérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Avec de la chance, je peux avoir celui-ci. Voilà, sans que son pote vienne l'aider. Allez, vas-y, passe entre le casque. Il colle. Et voilà. Un petit lifting avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Je vous rajoute un peu de botox. Laissez-moi regarder ça. On va vous ravaler un peu tout ça. Voilà. Ça m'a l'air mieux. Vous m'avez l'air parfait, mon bon monsieur. Mais attends, je l'ai pas vu ce trou là tout à l'heure. Je suis vraiment aveugle. Donc là, je peux pas. Là, ça a été bouché. Ça, c'est bouché. Et là, il n'y a pas de trou, on est bien d'accord. Fuck. Reculez, 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 reculez. Laissez le chien jeter un oeil. Alors, ils sont que trois, on dirait, enfin, à part celui qui est là derrière. Je pense pas que je pourrais arriver à choper celui-ci, on va essayer. Et voilà, je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. Pas le chien, j'ai dit ! Bande d'enculés ! On cogne pas sur le chien ! On va dire, j'ai vraiment plus d'énergie par contre. Je comprends pas ce que c'est que ce bordel. Allez, pas me tuer, Patrick, hein. Sinon, ça va chier. Voilà. Toi, t'avais du loot. Ah bah c'était lui, il était là. Impeccable. Ah. Oh. Oh oh. Oui, bon c'est vrai. Je peux... Comment je fais déjà pour changer de... De 7. J'aimerais bien voir la gueule du bouclier. Mais bougez-vous, c'est pas vrai ça. Ah, il a de l'allure. Le bouclier du cerf, le symbole de la maison Baratheon. Ah, le chien. Il y a un trou là.
Lui, je vais pouvoir le choper par là. Lui, par contre, je peux le choper. Et là, il y a du bleu. Ça veut dire qu'il y a un truc à ramasser. Saloperie ! C'est pas parce qu'il a une sale gueule qu'il faut être méchant ! Fous le camp d'ici ou tu vas mou... Allez, allez, bouffe-le ! Voilà, un peu du temps de plus. Et ici, il n'y a rien que je vais pouvoir faire. Donc on va retourner. Là. Et on va y arriver. Tranquille. Bonjour. Bonjour. Et je suis le livreur de pizza. Arrêtez, monsieur, je viens juste livrer une pizza. Arrêtez, je vous ai dit. Ouh là 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 là, c'est que ça commence à piquer là. Non 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 non. Ah, je suis par terre, bravo. Et voilà, mort. Et bordel. Et... ah d'accord, j'étais tout seul, les autres ils sont restés là. Je me disais aussi, ça me paraissait louche. Barre-toi de la Patrick. Va demander un coup de main aux autres. Bon, évidemment, si frappe, change de vidéo toutes les 3 secondes, ça va pas aider. Je peux savoir pourquoi je prends encore des dégâts. D'accord, lui il est bugué. Bugué de l'infini, quoi. Voilà, vas-y, raté, hein, tant qu'à faire. C'est quoi ça? On va taper avec, on verra bien. Voilà. Morse. Il y en a un qui est bugué. Ah, il est là, le bugué. Il y en a. Que je te pète la mouille. Et voilà, bien sûr, esquive, 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 esquive. Je vous jure, ça m'énerve. Allez, mais achève-le. C'est pas un petit archer de merde qui va te poser problème. C'est pas vrai, ça. On dirait que la sortie est là. Par contre, j'aimerais bien rejouer Morse, s'il vous plaît. Et vous, vous vous débuguez un peu, ou... Ah, je vous jure qu'il y a l'équipe de bras cassés. Voilà. Il n'y a rien d'autre à voler. Donc ça, c'est la sortie. Eh ben quand même! Regardez, on peut voir la lumière de leur campement d'ici. Jane, tu connais la routine. Oui, je sais. Je dois rester ici et me mettre à l'abri. Attendez là, je vais faire une reconnaissance autour de leur avec camp. Avec le chien, quoi. Tu veux de l'aide? Je préfère y aller seul, je serai plus discret. Je vais éliminer furtivement les sentinelles isolées quand je le pourrai. Si je fais attention à pas trop m'approcher du camp, ils sauront jamais ce qui les a frappés. Très bien, reviens me voir quand tu voudras passer à l'assaut. On va se tenir prêt. Oh bah de toute façon t'inquiète pas, je vais utiliser le chien. Je vais pas me faire chier. Pas d'odeur à repérer.
qu'est-ce que c'est que ce boucan? Y a pas de boucan, je suis approché discrètement, enfoiré. Menteur, va! Menteur, va! J'aime pas les menteurs! Cette position serait parfaite pour un archer. Ouais. Il faudra que j'en parle aux autres quand je retournerai les voir. T'as clairement raison. Donc là, c'est notre truc. Non, c'est pas bien ces bruits-là, on arrête. On fait pas des bruits comme ça. Là, je pourrais pas les choper. Ils sont pas isolés du tout. Ils sont pas isolés du tout. Et là, je peux pas y aller. Il y a un mur invisible. Merci Fraps, encore une fois. Alors, il va falloir que je trouve un moyen pour qu'il galère un peu moins. Peut-être me rajouter pas mal de RAM. Là, on est au niveau du pont qui sert à se barrer. On trouve peut-être quelque chose. Ah! Ah ah! Bonjour la sentinelle! Voilà. Là aussi, ce serait pas mal pour un archer. Bon, dans la mesure où je pourrais pas passer de l'autre côté, je pense que... Je pense que j'ai éliminé les sentinelles que je pouvais. On va rentrer au bercail. En pire des cas, j'aurai deux sentinelles de plus, c'est pas bien grave. Alors. Tu as fini la reconnaissance, Morse? J'ai repéré une position avantageuse en hauteur. Watt, prends ton arc et suis-moi, je vais te montrer. Bon, Watt est en place. Laissez-moi encore un peu de temps pour préparer l'assaut. Reviens me voir quand tu seras prêt. Pas de soucis. Je vais aller voir si ça a fait bouger les autres couillons. Sait-on jamais? Une bonne préparation arrangerait clairement mes affaires là. Ouais. Le problème c'est que je peux pas. Ah, quoique si je. Ah, je vais peut-être faire le tour et choper sur l'autre là. Ouais, je peux choper le second. Qu'un peu de chance son pote l'aidera pas. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Eh merde! Bon bah tant pis, on va y aller hein! Tu as fini la reconnaissance, Morse? Oui, il est temps de frapper. Montrons-leur de quel bois on se chauffe. Toi? Jarret des morts, et tes amis contrebandiers aussi! C'est fini pour toi, Yon! Ainsi tu connais mon nom. En fait, je me fous de toi ou de tes sbires. Celui que je veux, c'est l'homme qui t'envoie. Tu sais, c'est quelqu'un de puissant. D'ailleurs, il pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi. Tu parais plutôt efficace. Si je joue le jeu, les autres vont commencer à avoir des problèmes. Non. Tu m'as pris pour qui? Trop fier, toi, sur ton personnage. Je ne jamais mes voeux, ni pour lui, ni pour personne. Quand j'en aurai fini avec toi, j'irai chercher ton maître. Je lui ferai regretter de s'en être pris à nous. Tu parles. Quand bien même tu te retrouverais en face de lui, le seigneur Valar ne ferait... Merci, tu me files son nom. Valar. Alors c'est lui, ce misérable cloporte.
Merci. Grâce à toi, je sais exactement quelle est ma cible. Et maintenant, tu vas mourir. Mieux vaut la mort que la souillure. Alors. Yon, tu vas attaquer celui-là. Moi, je vais me farcir Mister Cuir. Eh, heureusement qu'il est là-haut, l'autre. Ah, il est immunisé. Il est immunisé au stun. Je vous laisse l'achever, les mecs. Je vais m'occuper de l'autre. Voilà. Voilà. C'en est fini de ces rats. Ils ne nuiront plus à personne. Tous est mort. Il va falloir t'y habituer, gamine. Tu sembles s'attirer. Ce ne sont pas tes affaires que je vois là? Tiens, voilà qui est intéressant. C'était dans les affaires qu'ils m'ont volé. Cela m'appartient. Une chevalière gravée du cerf couronné. Ah, c'est une bâtarde de Robert. Comment diable t'es-tu procuré un objet d'une telle valeur? C'est le roi Robert qui me l'a offerte, avant que je sois envoyé dans le nord. Le roi? Mais pourquoi t'a-t-il fait un tel présent? J'ai connu Robert lorsqu'il est venu participer à une partie de chasse. Ou alors, ce ne sait maîtresse. Pas loin de là où j'habitais. Sois plus clair, gamine. Tout ça ne justifie pas qu'il t'offre un tel bijou. Disons que Robert a eu beaucoup d'affection pour moi. Es-tu en train de me dire que tu as été sa maîtresse? Et il ne t'est jamais venu à l'esprit de m'en parler? Il ne sait même pas que je suis ici. C'est à peine s'il doit se souvenir de moi. Penses-tu que c'est pour ça que ses raids te poursuivent? Peut-être, oui. Mais vu que vous les avez tués, il ne risque pas de nous donner une explication. Bon. Je fouille les cadavres. Hein. Protège la gamine pendant que je fais un dernier tour des environs. Fais ce que tu as à faire, Morse. Et hors de question que je laisse les loot, hein. Non mais oh. Non. C'est ça que je veux. Et lui là, rien looté. Alors... non, c'est pas ça. Elle est où l'épée violette? Là. Du 42 par seconde. Et celle que j'ai là, c'est quoi? C'est une 33. C'est peut-être une épée à deux mains, donc. Non, attends, perforant. Ouais, c'est une main. C'est du une main. Bon, bah. C'est fini. C'est bon? Oui. Tu peux rentrer au bercail, Patrick. Emmène Watt et Miles avec toi. Vous ne venez pas avec nous? Non, nous allons descendre dans le sud. Je dois encore mettre cette gamine en sécurité. Sans parler d'aller péter la gueule à Valar. Patrick. Continue à en faire de même au mur. T'as intérêt à nous revenir vivants, Morse. Adieu, mon frère. Quoi, adieu? Ah, t'es optimiste. Vu la situation, n'est-il pas préférable qu'il reste avec nous? Moins on sera, et moins nous attirerons l'attention. Dommage, il va presque me manquer. Dans quelle direction allons-nous? Je dois te mettre à l'abri avant de finir la mission que Mormon m'a confiée. Je ne pourrai pas régler mes comptes avec Valar tant que tu seras dans mes pattes. Et je connais un endroit parfait pour toi dans le Conflant. Maintenant, trêve de bavardage. On a pas mal de marche devant nous, et je compte franchir encore quelques lieux avant de dresser le camp. L'air est plus doux. Ah, changement de décor. Riche. Nous entrons dans le Conflant. Tu as bien marché, gamine. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas une de ces nobles dames qu'on trimballe dans un carrosse, moi. Et puis vous aussi, vous tenez bien la cadence pour un jeune homme. Eh bien, je serai toujours plus solide qu'une gamine telle que toi, si Je n'en doute pas. Il suffit de vous voir vous battre pour le comprendre. Par contre, pour ce qui est d'être grincheux, ça... Je ne sais pas pour vous, mais je ne refuserai pas un bain chaud et un vrai lit maintenant. Ce soir ou demain, nous dormirons sous un toit. Ah, nous touchons au but? Nous allons chez moi.